Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone Jeux de société. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Euh, C'est un mois de janvier 2020 qui euh, nous annonce une, une autre superbe année, je pense, dans notre passe-temps favori, euh, qui est les Jeux de société. Et euh, je pense qu'on arrive dans une année... Euh, Ou euh, de plus en plus, on se rend compte que euh, les jeux de société s'est rendu plus qu'un qu'un passe-temps euh, arrière-pensée pour certaines personnes, mais c'est véritablement en train de devenir. Je pense, une, un phénomène social, je vous dirais. En tout cas, je peux vous dire ça pour ici, le Québec. Je vais vous donner quelques, quelques exemples. C'est que je suis, je suis allé pendant le temps des fêtes dans un, un magasin de jeux de société de, de la rive sud de Montréal qui vient d'ouvrir. Et puis, j'ai été impressionné de voir la quantité de personnes. Qu'il y avait dans le magasin. Euh, C'est sûr que c'était pendant le temps des fêtes, mais quand même de voir tous ces gens-là euh, et de croiser toutes les personnes qui. Euh, J'avais l'impression qu'ils découvraient un monde exceptionnel, un monde rempli de jeux qui sont différents que Monopoly, qui sont différents que Clous. Euh, qui sont des jeux qui ont qui, qui ont permis, je pense, à des gens de, de découvrir les jeux de société, mais il y a tellement d'autres choses. C'est sûr que euh, on a des, des, des gens qui sont euh, qui sont des nouveaux joueurs, on a des gens qui euh, qui sont dans le hobby pour vraiment essayer de vivre des expériences différentes. Mais en tout cas, je, je, je trouve ça vraiment cool, je trouve ça vraiment le fun et euh, j'ai l'impression que ça continue énormément à grossir. En tout cas, bref, euh, je vous souhaite une belle année 2020. J'espère que euh, vous allez euh, accomplir tous vos désirs, tous vos rêves, et que vous allez poursuivre votre route qui mènera à votre succès. Euh, nous, ici, euh, à la maison, euh, je peux vous dire qu'on avait très, très, très hâte que 2019 se termine. 2019 qui a probablement été euh, l'année la plus ambivalente de ma vie à deux niveaux. Euh, bon, que ce soit avec Hélène, qui finalement, ça a été quand même une année où où ça s'est bien passé par rapport à, au cancer à Hélène, euh, qui, euh, qui prend du mieux et qui semble monter la pente et qui... Les nouvelles semblent être très, très bonnes, mais on se croise toujours les doigts euh, lorsqu'on on va continuer pendant 2020, euh, au moins pendant la moitié de 2020. Euh, Hélène continue sa route vers la guérison. C'est tout le temps ça qu'on qu qu se dit. Euh, ça n'a quand même pas été un 2019 facile et... Je voudrais euh, vous remercier énormément pour tous les petits commentaires et les petits euh, euh, les petits mots que vous faites dans les commentaires euh, concernant Hélène, euh, c'est toujours euh, c'est toujours très 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 apprécié euh, et moi personnellement, je vous dirais que euh, je le remarque. Okay? Je le remarque euh, quand quelqu'un me dit, me fait son commentaire et qui à la fin dit euh, euh, une petite pensée pour Hélène. Euh, c'est encore une fois, c'est ce qui prouve à quel point la communauté de ce que j'ai créé il y a maintenant presque quatre ans s'est euh, rendu s'est euh, rendu plus que juste moi qui fais des vidéos à des inconnus. Je pense qu'on on forme une magnifique famille, euh, une famille internationale euh, qui, de mon côté, euh, j'essaie je, je, le plus possible de pas trop parler de ma vie personnelle, euh, mais je pense que ma vie personnelle fait partie de ce que je suis. Euh, et comme vous pouvez voir, je suis présentement dans mon sous-sol dans lequel les enfants... Euh, passent une bonne partie de leur journée en vacances pendant le temps des fêtes, ils étaient ici jouer, euh, puis je, je transforme, comme vous pouvez voir je, je transforme ça pour faire mes vidéos euh, j'ai une magnifique famille et la famille vous inclut, je vous remercie beaucoup pour votre soutien, comme je vous ai déjà dit d'innombrables fois, mais je profite toujours des infos de la zone pour essayer de, de réitérer que je lis tous vos commentaires j'ai beaucoup moins de temps maintenant pour répondre aux commentaires, faut que je focus sur ce que je veux faire. Il y a tellement de choses que je veux accomplir, euh, je manque de temps, fait que j'ai je, je, plus le temps de répondre à tout le monde. Parce que je reçois énormément de commentaires, mais je lis tous les commentaires. Euh, que, que vous m'envoyez. Je reçois toujours encore des notifications sur mon téléphone à chaque fois que vous envoyez un commentaire et je prends le temps d'aller lire, c'est quoi euh, le commentaire en question. Donc, merci beaucoup. Puis, euh, aujourd'hui, dans le fond, c'est une info de la zone bien spéciale parce que... Au mois de janvier, je fais toujours ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le State of the Union Address qu'ils font aux États-Unis, euh, le discours de l'union, bien moi, c'est le discours de l'État de la zone jeu de société. Euh, c'est comme, comme une vidéo pour moi où je, je psychanalyse et je, je, je fais une genre de psychologie de la dernière année de la zone jeu de société. En même temps, je vous pose des questions dans les commentaires que j'aimerais que vous me répondiez. Euh, puis, euh, puis j'essaie de, de tracer ma route pour 2020. Euh, j'essaie de voir ce que je vais faire, qu'est-ce que je pourrais changer, qu'est-ce que je pourrais modifier. Euh, puis je discute de tout ça euh, avec vous, ok euh, Si je fais ça public, là, euh, si je le fais, c'est parce que je veux avoir vos commentaires. Je veux que vous me disiez ce que vous pensez. Je sais qu'il y a des choses à améliorer. Euh, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'essaie d'innover. J'ai vécu des déceptions cette année par rapport à la zone, tout en vous disant que la zone de société continue à progresser à un rythme assez extraordinaire. Mais <coughs> je me souviendrai toujours euh, la semaine dernière, mais Ma fille parlait avec une de ses amies elle expliquait que j'étais un youtuber à son ami et euh, elle me dit, euh, genre, c'est quand tu vas recevoir ton trophée de YouTube. Et je pense qu'on reçoit un trophée quand on a 100 000 abonnés. Alors je lui ai dit, ben, je, dis, je pense que je recevrai jamais ça, euh, Rebecca. Euh, je ne recevrai pas ça parce que... En fait, je ne pense pas qu'on va... En tout cas, je ne pense pas me rendre à 100 000 abonnés parce que... De, écoutez, je regarde même mes, mes amis anglophones euh, les plus grands, on sont rendus à 100 000, mais on, on s'entend que je n'ai pas cette prétention-là. Euh, mais comme je vous dis, la, la chaîne progresse euh, quand même correctement. Je vous dirais que euh, si je regarde mes statistiques, puis vous savez que je ne suis pas un gars de statistiques, là, je vous... Je vous donne très rarement les statistiques. Vous avez juste à regarder sur la chaîne par rapport aux abonnés. Pas que, pas que c'est quelque chose qui est pas intéressant. Hein. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est un peu naïf de penser que les Youtubers ne regardent pas leur quantité d'abonnés. Parce que les abonnés, c'est notre essence. Euh, on fait ça parce qu'on on, on veut que nos vidéos soient regardées. Et c'est sûr qu'on aime ça quand on fait des vidéos et qui sont... En tout cas, moi personnellement, quand j'atteins le 1000 visionnements pour une vidéo, je suis content. J'ai l'impression d'avoir euh, d'avoir travaillé très fort et d'avoir accompli quelque chose quand je me dis que 1000 personnes ont cliqué pour regarder parce qu'on sait très bien que la majeure partie du temps, euh, vous n'allez pas vous installer pour regarder. Par exemple, Maracaibo, je sais que mon, de mon dernier épisode a duré deux heures. Je suis pas, euh, je suis pas, pas certain que tout le monde va s'installer pour regarder, parce que je le sais, je regarde des statistiques, je sais combien de temps en moyenne vous passez sur chacune des vidéos. Mais c'est pas grave, je, je vous l'ai toujours dit, je le fais pour moi en premier, donc euh, moi je veux jouer au jeu, donc je veux euh, faire vivre l'expérience du début à la fin. C'était ça le concept de la zone de jeu de société. Et je continue dans la même direction. OK? Et ça, c'est quelque chose qui ne changera pas. Mais euh, ce que je voulais vous dire, c'est que cette année, en 2019, j'ai eu 2031 abonnés de plus que l'année précédente. On parle de 501 832 visionnements, euh, qui est une hausse de 19% euh, par rapport à ce que c'était ce que l'année précédente. Les abonnés, c'est une hausse également de 15 par rapport à ce que c'était l'année d'avant. Et on parle de 78 294,6 heures euh, de visionnement en tout en 2019. Ça, c'est des chiffres malades. C'est une augmentation de 32 ça, c'est quand même très, très, très cool. Puis, je voulais vous, je voulais vous donner le petit palmarès, c'est quoi les, les vidéos qui ont été les plus regardées euh, Mon top 5 de l'année 2019. Alors, c'est la session de jeu solo du Seigneur des Anneaux Voyage en Terre du Milieu, épisode 1, qui a été vu 8651 fois. Ensuite, on a le déballage critiqué du Seigneur des Anneaux Voyage en Terre du Milieu, 5576 fois. Pour un déballage, c'est quand même une très bonne performance. Après ça, ben, imaginez-vous qu'on a encore le show de la zone top 10 des jeux solo de la version 2017 qui a été vu 5570 fois. La promotion que j'ai faite, que je fais chaque année, que je risque de refaire bientôt pour la zone jeux de société. Donc la promotion 2019 a été vue 4580 fois. Et finalement, en cinquième position, on a la session de jeu euh, solo d'Arkham Horror épisode 1. Euh, qui a été vu 4485 fois. Euh, fait que c'est cool, c'est cool. J'ai une belle progression, mais en même temps, on dirait que je, je sais pas, euh, je me fais dépasser, disons-le comme ça. Euh, je vais être bien honnête, euh, bah, on a tout le temps une petite, une saine compétition avec, euh, avec mes, euh, avec mes, 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 mes amis, je vous dirais, euh, mes amis québécois. Bon, tu game, les autres sont déjà partis depuis très longtemps. Bye les gars. Euh, Puis mes amis comme JP de l'école du jeu, euh, qui est un ami exceptionnel, JP. Euh, je t'adore et j'espère vraiment qu'en 2020 on aura l'occasion de se revoir euh, mes amis de l'école du jeu qui sont, ont flyé euh, aux, j écoutez j'avais 1000, 1000 abonnés d'avance sur eux autres ils m'ont dépassé par plus que 1000 même mon ami David Couteau le professeur Bargain qui m'a également euh, dépassé énormément puis euh, j'ai le petit nouveau aussi en arrière qui, a, qui me traîne dans le derrière, euh, la société des jeux Martin Montreuil puis je vous dis tout ça là, en disant que c'est de la saine compétition. Mais la compétition, que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est ce qui nous pousse un peu à performer, c'est ce qui nous pousse à se renouveler, c'est ce qui nous pousse parfois à ne pas s'asseoir sur nos lauriers. Mais en même temps, je suis très très content du succès de tous tous mes amis. Euh, puis je pense que toute la gang de youtubeurs québécois, euh, puis là je parle du Québec sans nécessairement discriminer mes amis français, mais c'est parce que c'est sûr que nous au Québec, on, on, on a l'occasion de se voir et de se rencontrer, de se parler, de, de jaser souvent ensemble. Euh, je trouve qu'on a on a parti quelque chose il y a quelques années. Euh, il y a de plus en plus de youtubeurs qui font leur apparition. Euh, et, et, et je trouve que c'est une belle réussite. C'est une belle réussite. Mais tout ça pour vous dire que ça, ça, me, ça me fait évidemment poser des questions, à savoir. Euh, j'augmente, mais j'augmente pas vite. Euh, puis je me pose beaucoup souvent de questions. Je me, je me pose des questions à savoir pourquoi. Puis je, en vous disant que je pense que tous les abonnés, en tout cas, tous les abonnés, on s'entend que dans les 6000. J'ai combien d'abonnés aujourd'hui euh, au moment où j'enregistre ceci? Là, Attendez que je vous dise ça, là. Je pense est-ce que je peux revenir en arrière? Alors, j'ai exactement 6472 abonnés. Dans les 28 derniers jours, j'ai eu une augmentation de 251 abonnés. Euh, et on s'entend que tout ça a été créé à cause de mes tops, mais ça, on aura l'occasion de s'en parler, euh, Mais. Euh, moi ben c'est ça donc euh, euh, j'ai perdu mon fil parce que on dirait que j'ai vu quelque chose mais ça ça m'a ça m'a enlevé mon ma concentration mais, mais bref je je me pose beaucoup de questions à savoir qu'est-ce qu'est-ce que je pourrais faire euh, je regarde mes collègues, puis je, je sais que mes collègues sont très 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 actifs sur les médias sociaux. Je ne suis pas. Euh, je sais aussi que David a l'année passée parti euh, un système de, de de faire des tirages à tous les lundis, euh, qui selon moi est malade mental. Euh, David. Te, je te lève mon chapeau que je n'ai pas parce que c'est. ça doit être quelque chose de gérer tout ça. Hein, de gérer, donc d'envoyer de, 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 des paquets comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, c'est quelque chose. Euh, bref, tout ça pour vous dire que, évidemment, je me pose des questions en ce début d'année, à savoir qu'est-ce que je peux faire, euh, qu'est-ce que je peux améliorer. Est-ce que je pourrais me rendre un petit peu plus peut-être sur les. Euh, sur les médias sociaux. Euh, Pis là ben j'essaie justement de, de, de je, je m'étais pris des notes pour savoir euh, euh, qu'est-ce que ouais allez euh, bon va, voilà fait que bref ouais ok euh, donc bref voilà fait que tout ça pour vous dire que je suis toujours en, en, en constante évolution de réflexion par rapport à ça puis euh, est-ce que j'ai quelque chose j'ai pas je pas l'intention. En fait, je vais être honnête avec vous. On dirait que je, je commence à me dissocier un peu de cette pression-là euh, des, des abonnés, euh, d'augmentation des abonnés. Puis cette année, euh, cette année, je me suis je me suis donné à 110% dans la création de contenu. Euh, je ne sais plus combien de vidéos, là, mais je pense que j'ai presque 950 vidéos. On va bientôt fêter ma millième vidéo ce qui est une quantité industrielle. Euh, cette année, j'ai travaillé très, très fort. J'ai euh, pratiquement, f... je pense que j'ai pratiquement offert 4 à 5 vidéos par semaine euh, sans avoir une, 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 un calendrier de production précis. Euh, je, souvent, j'ai même eu des semaines où j'ai donné des vidéos 7 jours semaine. semaine. Euh, j'ai eu un été très rempli à ce niveau-là. Et tout ça se fait de façon assez fluide. Je vous dirais que je me suis pas, euh, je me suis pas drainé physiquement, mais en même temps, je me suis rendu compte de quelque chose en décembre. Je m'excuse, hein, c'est un peu incohérent mon mon, 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 mon discours, mais mon, mon discours, c'est comme l'ai dit tantôt, c'est euh, bon, cette, cette, cette info de la zone là, c'est un info de la zone où je réfléchis à voix haute. J'essaie de penser. En même temps, j'essaie de vous exposer mes réflexions, puis ça peut m'amener à plein plein d'endroits, donc ça se peut que je perde un peu de cohérence. Euh, j'essaie de voir, j'essaie de tracer ma route pour 2020. Euh, pendant le mois de décembre, j'ai pris une semaine de congé. Je, je me suis arrêté, je pense que c'était la première semaine de congé total de la zone euh, que j'ai pris pendant, euh, pendant une semaine. Donc, je n'ai pas filmé, après ce n'est pas vrai. J'ai quand même fait un vide casse, je reviendrai tantôt avec le concept du vide casse J'ai fait mon vide casse avec David le 30 décembre, mais à part ce vide casse là qui était un vide casse qu'on a fait en direct et c'était un petit peu voulu parce que je voulais pas faire de montage. Donc on a enregistré, Il s'est ramassé sur le net après ça, euh, puis j'ai juste eu bien du plaisir à faire ça avec David puis après ça. Euh, j'ai pas eu besoin de faire d'autre chose, mais ça pour vous dire que j'ai j'ai euh, j'ai pas filmé j'ai pas fait de montage pendant une semaine et je me suis installé et j'ai joué. Et je vous dirais que ça l'a fait du bien. J'ai euh, découvert le concept de ralentir afin de plus apprécier le, les jeux de société que vous avez en arrière de, de moi, là, comme surtout celui-là, là, Maracaibo. Euh, je me suis installé, j'ai joué, je allé au chalet en passant, en, en commençant mes vacances euh, aux États-Unis avec, euh, avec ma, ma famille. Euh, J'avais amené plein de jeux. J'ai joué avec mes enfants à Unmatched. Euh, j'ai joué à Maracaibo avec Hélène. J'ai joué beaucoup à Football Highlight 2052. Euh, j'ai euh, joué avec ma fille à un de ces jeux qu'elle a apporté. J'ai, quand je suis revenu ici à la maison, j'ai rejoué à Maracaibo. J'ai joué à Cthulhu Death Medaille, qui est juste en arrière de moi, là. Je sais pas. Ah, oh, j'ai de la misère avec la caméra. Il est juste là. Alors, Cthulhu Death Medaille, euh, je me suis installé, j'ai joué en solo. Je m'installais sur la même, la, la même table que je fais mes enregistrements. Et euh, je m'amusais. Tout ça dans le but que je savais que j'allais faire des vidéos de ces, de, de ces jeux-là, mais j'ai redécouvert un, un plaisir que je me suis dit qu'il faudrait que je ramène dans ma vie pour continuer à avoir toujours ce plaisir-là. Parce que là, euh, j'ai plusieurs. Il y a toujours un petit peu de pression. C'est tout le temps le cult of the new, dans le, surtout quand tu fais une chaîne YouTube, de vouloir présenter les jeux euh, avant tout le monde. Euh, ben pas, 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 pas le présenter avant tout le monde, mais des présenter le plus rapidement possible parce que moi je veux faire des vidéos et je veux qu'ils puissent servir. Euh, donc, s'il y a un jeu que je sais qui arrive bientôt, par exemple dans les mains des gens qui l'ont kickstarté, ou si y a un jeu qui arrive en magasin, comme que je regarde le Seigneur des Anneaux. La chance que j'ai avec le Seigneur des Anneaux, c'est que j'ai été un des premiers à faire la vidéo en français. Parce que le valet de cœur avait reçu des, co des copies en avance et j'avais été capable de me le procurer avant sa sortie en magasin. Euh, et il était en plus sorti en français, donc j'ai été capable de faire la vidéo rapidement. Et vous voyez, c'est ça un petit peu aussi l'idée d'un YouTuber. Puis l'essence, c'est le fait que je fais une vidéo, je passe des heures à faire la vidéo, à la monter. Et ensuite, je la mets en ligne et vous êtes des milliers à la regarder. Même si c'est pour 10-15 minutes, c'est pas grave. Vous êtes des milliers à l'avoir regardé. Euh, et vous êtes plusieurs à avoir dit Ah, ce jeu-là, il est pour moi. Ce jeu-là, il n'est pas pour moi. Euh, J'aime pas ça. Euh, je trouve que c'est un mauvais jeu. Et ça, pour moi, c'est une belle réussite. Fait que, tout ça pour vous dire que j'ai toujours envie de faire la zone de jeu de société je vous dirais même plus que jamais j'ai toujours du plaisir là j'ai installé d'ailleurs à côté tantôt j'ai installé euh, Cthulhu Death Medaille euh, je veux euh, je, je veux je veux filmer ça très bientôt parce que j'ai hâte de je jouer Vraiment, là, c'est un jeu que j'adore vraiment beaucoup. Puis j'ai hâte de filmer pour vous le présenter. Je suis excité de le faire, j'ai hâte. Donc, j'ai toujours envie de faire ça, mais je veux arrêter de me mettre de la pression de mettre beaucoup de vidéos en ligne. On dirait que c'est toujours ça. Puis ça, c'est mon problème à moi. On dirait que quand j'embarque dans un projet, j'embarque à 100%. Puis je commence en disant je vais faire trois vidéos par, par semaine. Puis déjà là, mes, mes amis me disaient T'es fou! Là, je suis rendu à 5, des fois 7 vidéos par semaine. Puis, je continue de vivre correctement, normalement. Puis, je vous jure, je, je, je ne je, je mets pas de côté ma famille. Euh, oui, c'est vrai que je passe beaucoup de mon temps libre là-dessus. Là euh, puis, quand j'ai rien, par exemple, avec la famille, ben, je vais m'installer, je vais faire des vidéos, je vais faire du montage. Euh, beaucoup de mes soirées sont sur le montage pendant la semaine. Mais, euh, je, je, je filme beaucoup de vidéos en avance, c'est ce qui me permet de faire du montage, mais je fais beaucoup de montage et, euh, et c'est ce qui fait en sorte que je suis capable de faire des vidéos assez rapidement. En tout cas, bref, ça c'est ma vision de la chose. Je, je, tout ça pour vous dire que euh, je, veux, je je veux pas que... Vous, puis je sais qu'il y en a qui vont dire, c'est correct Martin, on n'attend pas à ce que tu nous donnes une vidéo par, par jour. Euh, mais je veux juste vous dire que ça se peut que cette année, en 2020, il y ait un certain ralentissement. Je vous dis bien, ça se peut. Parce que, comme je vous dis, j'ai réfléchi, puis je vous dis ça, mais en même temps, je sais comment je suis, puis ça risque de continuer. Mais je veux peut-être essayer de prendre des temps d'arrêt cette année pour refocuser un petit peu. Mon, mon goût de jouer souvent avec Stéphane. Euh, Stéphane, qui est mon, mon, mon ami, et c'est avant tout, je vous dirais, mon groupe de jeu, c'est Stéphane, euh, avec René parfois, qui est un autre de mes amis, euh, qu'on joue parfois ensemble. Mais en 2019, j'ai eu l'impression que je faisais des vidéos avec Stéphane. avait toujours cette pression-là de m'installer avec Stéphane pour faire des vidéos plutôt que de simplement aller chez lui puis de jouer. En tout cas. Bref. Je ne veux pas que la vidéo dure 2-3 heures de temps, là, mais je veux juste vous dire que ça, ça fait partie de mes réflexions. Euh, si vous regardez toutes les vidéos qui apparaissent sur ma chaîne, si vous voyez, voilà, on est tombé malade, oui, euh, c'est beaucoup de travail. Puis oui, ça, ça me fait réfléchir sur la quantité de vidéos que je vais faire en 2020. Mais on verra. On verra. Okay? Puis comme je vous dis, c'est pas une question, vous voyez que ça va très bien, très haute, j'en ai fait euh, plein cette semaine. J'ai euh, Là, là je, je filme ceci le lundi. Euh, le 6 janvier. Je sais que ça va revenir en ligne le 11 janvier, mais j'ai déjà toute ma semaine de prévue avec beaucoup de vidéos. Euh, fait que, bon, bref. Ça pour vous dire que je revenais revenir aussi sur, sur mes concepts. Euh, avant avant d'arriver sur les concepts, je vais vous parler de Patreon. Euh, Patreon, euh, je vais faire présentement mon premier anniversaire euh, donc de Patreon. Puis, euh, euh, je suis content. Je suis content. Ça a été une année euh, intéressante. J'ai découvert ce. Ce nouveau, euh, cette, cette plateforme de financement-là, euh, puis je pense que ça fonctionne bien. Donc au moment où je vous parle, j'ai 28 patrons euh, qui me donnent un montant de 244 dollars américains par mois. Je dois vous dire que euh, j'ai été très, très content. faut que je le dise. Mon, mon ami Patrick Rozon, euh, euh, qui est revenu, euh, un de mes patrons, d'ailleurs, vous allez le voir, il est revenu euh, au début de chacune de mes vidéos avec euh, Cédric. Euh, Cédric qui est là depuis quelques, quelques mois aussi, euh, qui sont mes producteurs exécutifs et, et, et Patrick m'a aidé, euh, beaucoup aidé euh, à atteindre mon premier but que je me suis donné dans Patreon qui était 200$ dollars et c'était pour euh, vous faire mon top 100 euh, de mes meilleurs jeux de tous les temps, alors mon niveau a été atteint, alors c'est quelque chose que je vais vous faire très très bientôt, quand je vous dis bientôt là, je... je, je je me garde l'année pour vous le faire euh, au grand complet. Là, mais c'est quelque chose donc, que je mets en branle et je vais probablement le faire aussi avec Stéphane. Euh, Stéphane qui, je pense, devient... En, encore une fois, Stéphane, euh, lui aussi, je pense qu'il donne son aide. C'est une aide qui est très appréciée. Vous ne pouvez pas savoir à quel point euh, Stéphane, le fait, le fait qu'il m'aide, je, je l'ai remercié beaucoup pendant le temps des Fêtes. Je vais encore prendre le temps de le remercier. Euh, les vidéos qu'il fait, Stéphane, c'est précieux pour moi. C'est du temps qui me... C'est du temps précieux que, que, qui me donne à moi et je sais que Stéphane n'a pas toujours le temps de, de faire plein de vidéos et qu'il il fait son gros possible avec sa, sa, sa caméra qui est son téléphone cellulaire. Stéphane n'a pas de micro. Stéphane a un, de l'éclairage comme moi. Euh, Stéphane qui apprend à fonctionner avec le programme de montage que j'utilise, qui est Cyberlink Power Director. Euh, et et c'est ce qui fait que des fois, Stéphane, euh, comme par exemple pendant le temps des fêtes, il avait, il avait mis la musique un petit peu trop forte en arrière-plan. Stéphane apprend. Soyez indulgents, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de lui. Euh, puis euh, c'est un, une, une personne importante dans la zone de, jeu de société. Puis. Euh, euh, je veux qu'il continue à faire des vidéos, je veux qu'il continue à avoir du plaisir et je peux vous dire que nous, on a beaucoup de plaisir à filmer nos vidéos ensemble euh, et le top 100, j'aimerais ça le faire avec lui. Donc euh, j'aimerais ça avoir vraiment un panel 2, donc lui il va faire son top 100, j'en ai parlé la semaine dernière puis il m'a regardé avec des gros yeux en disant, il faut que je fasse un top 100 des meilleurs jeux de tous les temps et ça va être long, oui, mais j'aimerais ça qu'on on fasse ça ensemble, donc ça va être 10 épisodes euh, conventionnel, donc on va à partir de 100 jusqu'à 91 et on va descendre jusqu'au numéro 1. Alors, merci beaucoup à tous mes super Patreon. Euh, vos noms apparaissent présentement au bas de l'écran. Alors, il y en a qui sont là depuis le début, il y en a qui sont venus, il y en a qui sont partis, qui sont revenus. Euh, vous pouvez me donner aussi peu que 3 dollars par mois euh, si vous voulez m'aider. Ça va. Euh, Je vous dirais qu'en moyenne, les gens. Euh, ils vont me donner environ 5 dollars par mois. Puis 5 dollars par mois, ça vous donne le droit de participer. À mon, euh, à mon euh, sondage pour choisir un jeu dans le mois qui sera présenté dans la zone de jeu de société. Comme là, c'était Death d'être médaille. Donc, c'est lui qui, qui a été choisi par mes patrons au mois de décembre. Il va en avoir un que je vais faire au mois de janvier très bientôt. Euh, en tout cas, si ça vous tente, je vous invite à aller voir patreon.com. C'est un, un, un service que je vais continuer encore, je pense, en 2020. Euh, tout l'argent ramassé me permet de vivre des. me permet, premièrement, je vous dirais, d'arriver financièrement dans la famille euh, parce que cette année en plus Hélène euh, qui est en arrêt de travail euh, donc son salaire puis je, je dis pas ça pour on, on vit très 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 bien euh, mais je fais juste vous dire que c'est sûr que le salaire d'Hélène a diminué donc ce qui fait en sorte que si je veux continuer à vivre euh, dans cette dans ce style de vie là même si j'ai mon commentaire, vous savez que j'essaie toujours d'améliorer la zone à tous les points de vue j'ai j'ai tellement eu de problèmes avec Cyberlink Power Director pendant le mois de décembre. Mon ordinateur qui redémarrait tout le temps. J'en ai parlé beaucoup à José Gouzanoman euh, de ce problème-là pendant le mois de décembre. Il peut pas. J'ai fait des montages où j'ai eu de la difficulté. Je ne sais pas encore, J'ai pas trouvé encore le problème. J'ai comme l'impression que quand j'arrive à 1h20 de vidéo, euh, mon. Euh, on dirait que mon programme, il finit par. Euh, euh, par euh, planter. Fait que je me suis acheté Corel Video Studio 2019. Il y en a beaucoup qui m'ont dit achète euh, euh, celui d'Adobe. Euh, je le trouve trop cher. Ah, en tout cas, bref, c'est ça pour vous dire que tout ça coûte de l'argent. Euh, J'ai voulu m'acheter une nouvelle caméra. Je me suis fait venir une caméra de chez Amazon euh, pour avoir un système de deux caméras parce que ça c'est un autre sujet je vais vous revenir dans quelques instants. Euh, quand j'ai reçu la caméra euh, qui est une caméra un petit peu cheapette à 100 quelques dollars, euh, je me suis rendu compte qu'elle focusait pas, donc je l'ai renvoyée sur Amazon et finalement j'ai découvert que ma deuxième caméra va finalement être mon téléphone cellulaire euh, parce que je me suis procuré un nouvel iPhone euh, donc et qui je me suis rendu compte qu'il faisait de très très belles vidéos. Facub, bah, merci beaucoup à tous les tous les gens qui sont sur Patreon. Je vous rappelle que la zone de société sera toujours un projet gratuit. Euh, je ne ferai jamais payer pour les vidéos. Jamais j'aurais même l'intention de penser faire ça. Mon Patreon ne, ne me permet que de, de vivre des rêves comme euh, de peut-être aller au Gen Con euh, très bientôt euh, ou, ou peut-être d'aller même en Europe dans les prochaines années. Puis euh, je vous dirais que je vais augmenter maintenant mon, mon prochain but va être à 300 maintenant. Et euh, je, je, je vais garder la surprise, mais j'ai un nouveau projet que j'aimerais commencer à faire euh, dans les prochains mois. Et puis on, je vais donner ça comme, comme but. Donc 300 dollars. Donc vous irez voir sur ma page Patreon pour savoir de quoi euh, je veux parler exactement par rapport à ça. Alors, je vais vous parler des concepts euh, de la zone de 2019. Je vais faire un retour rapide là-dessus. J'aimerais ça que ma vidéo dure pas plus que 45 minutes, fait que je vais essayer d'aller plus vite. Euh, vidcast avec David, on a continué, mesdames et messieurs, je vous dirais qu'on est très, euh, je suis très très content de ce que j'ai, ce que j'accomplis avec David, alors ça fait maintenant euh, plus de deux ans qu'on fait ça, j'essaie de voir quel, quel numéro qu'on est rendu, euh, David et moi, euh, par rapport au vide -cast. Mais ce qui, ce qui est super cool du vide-cast, c'est que euh, on n'a pas manqué. Vous voyez, c'était le numéro. Donc, on en a 30 de fait. Donc, on a fait 30 épisodes. Ça fait 30 mois consécutifs depuis qu'on a commencé le projet David Des Mois qu'on fait le vide de la zone. Et euh, on n'a pas manqué un seul mois. Donc, tous les mois, on a été là. Euh, même cette semaine, pas la semaine dernière, quand on l'a fait live. David, il filait plus ou moins. Il me disait, j'ai mal à... Il était malade, David, pendant le temps des Fêtes. J'y ai dit que c'est pas grave si on le fait pas, mais David était là, fidèle au poste, et euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. J'adore faire mes videcasts. Euh, les Vitcast, c'est un moment privilégié que j'ai avec David. David qui est un ami, hein, je vous dirais, euh, plus qu'un un collègue youtubeur, c'est un ami. Euh, on aime, moi j'aime ça aller faire un tour chez eux, il vient des fois chez moi, on s'amuse ensemble à, à jouer à des jeux de société, évidemment, mais à discuter de la vie. Puis euh, c'est cool, il vient de mon patelin, de Sorel Tracy, il reste très proche de mes parents, les rendus rendu qui vient aussi euh, me rendre visite à Noël. C est, c est, il, fait, il fait presque partie maintenant de notre famille euh, à Sorel pendant. pendant le temps des fêtes. Euh, c'est toujours le fun, cool. Puis euh, ce, ce moment-là que j'ai à chaque mois avec lui, je ne veux pas le perdre. C'est vraiment le fun, c'est vraiment cool. Euh, en 2020, j'aimerais savoir plus d'invités de toutes sortes, que ce soit des YouTubers, que ce soit des gens de l'industrie. On verra. Euh, vous savez que le, le, le V de casse, ce qui est le fun, c'est que c'est un moment cool, mais c'est un moment où David et moi, on, 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 ne, on ne prend pas énormément de temps. Euh, dans toute la structure du videcast. Euh, on se donne un thème, on se donne un sujet, on se fait une petite préparation de notre côté, puis on fait notre, notre, notre show. Et souvent, c'est à notre style, ça fonctionne très, très bien. Je vais vous parler des parlons jeux avec les Martins, donc avec Martin Montreuil. Martin Montreuil qui est également un élément. En fait, je, je voudrais que... Jean-Philippe de l'école du jeu, euh, Martin Montreuil, David, euh, ce sont trois personnes que je considère comme des amis. Euh, parce que je les... Bon, moi, je, JP est dans le temps de... Euh, mon Dieu, j'ai déjà oublié euh, le nom de notre site Internet. Ah, ça n'a pas de sens. Ah, comment il s'appelait notre site En tout cas, bref, euh, dans le temps qu'on avait parti notre site Internet, euh, toute la gang ensemble, euh, ça a été une belle aventure, c'était le fun. J'ai appris à connaître JP beaucoup. Mais Martin, euh, Martin Montreuil, c'est euh, quelqu'un qui m'inspire beaucoup et énormément dans sa vie personnelle, professionnelle, je lui ai dit d'ailleurs. Et puis, euh, j'aime beaucoup notre segment Parlons-jeux avec les Martins, qui est un segment qui va n'importe où. On n'a pas de concept. C'est juste lui puis moi. Puis on décide de partir sur un sujet, parler d'un jeu. Euh, J'aurais aimé ça qu'on ait le temps plus souvent de faire des Parlons-jeux, mais Martin est un homme excessivement occupé. Euh, avec sa vie professionnelle, avec le fait qu'il y ait le de le, le Centropolis, avec sa chaîne, aussi dans lequel je sais qu'il s'implique à 100%, c'est c'est euh, capsules Kickstarter qui fait à tous les samedis. Euh, donc, j'aimerais... C'est un concept que je vais continuer à faire en 2020 avec Martin. Toujours en vous disant que ça, c'est toujours en alternance entre sur sa chaîne, sur ma chaîne. Et puis, euh, on, pour l'instant, on n'a rien de prévu encore, mais euh, je peux vous dire qu'on a une partie de CloudSpire qui est toujours en attente. Euh, lui et moi. Le pire, c'est qu'on avait déjà commencé à euh, Filmer une partie de Cloud Spire, il est venu chez moi un petit peu avant le temps des fêtes, mais euh, on s'est rendu compte que c'était très 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 long. En plus, il annonçait de la pluie verglaçante ce soir-là quand il est venu chez moi, Fait qu'on était obligé d'arrêter la partie, puis on s'est dit qu'on allait recommencer euh, la partie un petit peu plus tard, mais euh, c'est un concept qui va euh, rester. Euh, si je vous parle des autres concepts maintenant, euh, je vais vous parler des découvertes parties, euh, les découvertes parties que j'ai commencé également en 2019. C'est une idée que j'avais de vous présenter les parties euh, que moi je. J'avais une idée en tête à un moment donné, je me suis dit, euh, faisons. Présentons la prise en main d'un jeu au début complètement quand tu. tu ta première partie. Est-ce que la première partie, elle est simple? Est-ce que la première partie se fait bien? Euh, puis je voulais que ce soit des petites vidéos, pas trop, pas trop longues, mais où on me voit jouer. Et euh, ça permettait, moi je me disais, ça va permettre aux gens de voir si euh, je retourne. Est-ce que je retourne souvent dans les règles? Est-ce que les règles sont bien écrites? Est-ce que c'est simple? Euh, c'est un concept que je trouvais très cool, mais je ne suis pas sûr de sa pertinence en général, surtout si j'ai envie de faire une session de jeu complète. Euh, fait que découvre partie. Je J'abandonne pas le projet, mais il va falloir que je le retravaille un petit peu. Euh, si vous avez des commentaires, des suggestions à me donner par rapport au découvre parties, vous pouvez peut-être me le dire, mais je vous dirais que pas, ça n'a pas été un gros succès ça, en 2019. Euh, J'ai commencé également les déballages express. Bon, les déballages express, parce que les déballages, euh, j'aime ça les faire. Hein. Je vous le dis tout de suite, j'adore ça les faire parce que ça me permet de parler, de jaser. De discuter de, du jeu en tant que tel. Euh, puis j'en ai déjà parlé. Des fois, je connais les jeux très, très bien. Des fois, je les connais un peu moins bien. Euh, mais je finis. Je donne toujours une cote dans mes déménages critiqués. Puis euh, c'est en moyenne 15 à 20 minutes. Puis des fois. Parce que vous savez que je suis un peu nostalgique. Des fois, je regarde mes vidéos. J'ai regardé plusieurs de mes vidéos pendant le temps des fêtes parce que des fois, j'essaie d'analyser mon travail. Puis des fois je dis c'est long, hein, C'est long, 15 à 20 minutes. Mais des fois, on n'a pas le choix quand tu veux présenter un jeu. Donc, c'est pour ça que j'ai parti, mes déballages express. Les déballages express, c'est des déballages où j'enlève pas de pellicule de plastique, où des fois, le jeu, il est déjà déballé, euh, déjà inséré. Puis je fais juste vous présenter très rapidement le matériel. Parce que des fois, c'est ça que vous voulez voir. Vous voulez voir le matériel. Et je donne toujours mes commentaires, mais je fais pas de critique. Je fais juste vous présenter ça en. Entre 5 à 10 minutes par présentation. Euh, J'aime beaucoup ce concept-là et j'ai l'intention, je pense, de l'utiliser plus souvent. Pour une raison très simple, c'est que en faisant des déballages express, ça va me permettre de euh, déballer mes jeux plus rapidement pour que je puisse lire les règles plus rapidement et euh, les amener en session de jeu plus rapidement. Ça, c'est quelque chose que je veux faire d'ailleurs en 2020, c'est que je veux faire plus de sessions de jeu. Mais je vais continuer à faire des déballages parce que les déballages fonctionnent quand même relativement bien. Je ne peux pas vous dire que je, je fais des scores incroyables sur les déballages. Là. Euh, je vous dirais que, comme, par exemple, mon dernier déballage que je vous ai présenté, c'est Underwater City, rendu à 563 visionnements. Puis c'en est un qui fonctionne très, très bien. Mais ça va m'arriver souvent que je vais avoir. Euh, des 200 300 visuellement. c'est normal on s'intéresse pas à tous les jeux ne je regarde pas les vidéos de tous mes YouTubers favoris non plus parce que je, je vais regarder ceux de ceux qui m'intéressent euh, donc je pense que je vais conserver des déballages express j'élimine pas mes déballages critiqués parce que des fois j'ai envie de parler plus longtemps sur un jeu je veux qu'on a je qu'on le découvre je veux que vous viviez les moments avec moi donc je suis quand même content de mes déballages express puis je pense que je vais en faire plus souvent en 2020 euh, puis, dernier élément que j'ai mis en place en 2019, c'est les top 5 de l'actualité en collaboration avec Jeux des clics. Alors, euh, juste comme vous avez pu voir, il y en a un qui est, qui, qui est apparu cette semaine. Euh, c'est mon, je pense, c'est mon quatrième ou cinquième que je fais euh, en tout et pour tout. Si je regarde, si je regarde mes listes de lecture, euh, si je regarde... Euh, Oh, je vais capable être capable de les trouver facilement? Oui, j'en ai, oui, ai cinq. Donc, ça fait... Je l'ai fait pendant cinq mois consécutifs. Euh, J'aime ça faire ça. Vous savez que j'avais un concept qui s'appelait Actualité, Jeux et Société que j'adorais faire. Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société et bienvenue dans ce premier épisode d'actualité jeux et société. Alors il semblerait que vous allez devoir ressortir encore une fois votre copie de Terraforming Mars dans l'avenir. En effet, Stronghold Games. Vraiment beaucoup, c'est un genre d'émission d'actualité. J'avais l'intention de le faire deux fois par mois, mais ça prenait beaucoup trop de temps à monter. Alors, le, le, ce qu'il fallait avec les top 5 de l'actualité, c'est qu'en une soirée, je le fais et je le monte et je le mets déjà disponible. Et il est disponible une journée. Euh, exclusivement sur le site de Jeux des Clics. après ça, il est disponible dans la zone de jeu de société. Le, je vous invite à aller voir le site de Jeux des Clics. Fait que ça, c'est quelque chose que je vais encore continuer. Euh, que je pourfine un petit peu le montage. Je ne sais pas, je n'ai pas encore trouvé mon ma vibe encore de comment je veux le présenter, mais euh, c'est quelque chose que je veux continuer définitivement euh, dans l'année 2020. Euh, fait que ça, c'était là-dessus. Je veux vous parler également des tops. Euh, les tops, waouh, le, mon spécial de Noël, c'est c'est incroyable, euh, c'est tellement incroyable que même que je vous dirais que je, 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 je me pose sérieusement des questions des fois sur qu'est-ce que devrait être la zone de jeu de société. Euh, si je regarde spécial de Noël, le top 10 des meilleurs jeux de, 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 tous les temps, 3000, pas de de tous les temps, de 2019, 3330 visuellement. Euh, la, la, le spécial que j'ai fait avec les Youtubers 1046, c'était pas un top ça, mais quand même c'est une présentation de jeu le top des abonnés, 1623 d'ailleurs je remercie tout le monde qui m'ont envoyé euh, des vidéos ensuite de ça euh, si j'y vais avec top 5 des meilleurs jeux de rôle, 1211 le top 10 des meilleurs jeux solo de euh, c'est-tu avec un automa, ça? Non, le, le top 10 des meilleurs jeux en solo tout court. Euh, ma version 2019, 3834 visionnements. Euh, sans oublier celui avec un automa, qui est à 2786. Le top 5 des meilleurs jeux Star Wars, bon, il est à 875, mais euh, de 2700 soit, euh, 2786. En tout cas, bref, ça pour vous dire que c'est incroyable la quantité de visionnements qu'on a dans les tops. Euh, J'aime ça faire les tops, mais c'est beaucoup de travail. Vous pouvez pas, c'est parce que j'essaie d'être le plus transparent possible avec les tops. Euh, donc c'est sûr que pour moi, j'essaie beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de vous offrir euh, euh, quelque chose qui est vraiment mon choix. C'est pas quelque chose que je fais comme ça au hasard. Je prends, mes, je prends des jeux, je me dis, ah, ça, je, je me, fais, me prends vraiment des petites fiches, puis je me fais vraiment un top. Euh, donc je risque de vous en présenter plus souvent. Euh, j'ai mon top 10 des jeux les plus attendus de 2019 euh, qui va s'en venir euh, très bientôt. Euh, j'ai mon top 100 des meilleurs jeux de tous les temps que je vais vous faire et j'ai également un top 5 que j'ai pensé que je vais garder pour moi pour l'instant. Euh, mais c'est sûr qu'en 2020, je vais essayer de vous faire un petit peu plus souvent des tops parce que vous aimez ça et c'est des vidéos qui valent la peine de les faire parce qu'ils sont toujours regardés euh, très très souvent. OK, 41 minutes, let's go. Euh, bon, le top 5, j'en ai passé. Euh, prochain niveau, je ne sais pas ce que je veux dire par ça. Je veux parler des angles de caméra. Euh, après ça, il va, me, il, va, il va me rester à vous parler des jeux à venir dans la zone euh, très bientôt. Euh, en 2019, autre élément que j'ai aussi mis en place, c'est les fameuses caméras dynamiques. Donc, c'est les angles de caméra où on présente le, le, le jeu plus en action avec beaucoup de changements de caméra. Mais j'en ai une seule caméra. Euh, ben là, j'en ai deux maintenant. Là, je vais utiliser un stand de deux caméras. Mais je, je, tout ce que vous voyez là, là, à chaque fois que vous regardez comme par exemple Maracaibo, je l'ai fait comme ça. Euh, J'ai fait beaucoup de mes jeux de cette façon-là. Sauf que c'est très long. C'est très, très, très long à faire. Parce qu'à chaque shot, quand vous voyez une coupure, il faut que je déplace la caméra. Je n'ai pas, pas un système de rail hein, chez moi, donc je déplace mon trépied. Euh, ensuite de ça, je zoome, dézoome, focus. Euh, puis des fois, c'est vraiment juste genre... Euh, et pour aller payer, alors je change ma caméra, puis j'essaie que ce soit dynamique. Donc j'essaie de garder, et pour aller payer, et pour que comme c'était la phrase qui continue, vous marquer. J'essaie de faire quelque chose quand même de cool. Mais c'est très très long et euh, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est efficace. Euh, puis, cette longueur-là fait en sorte que ça met une certaine lourdeur au niveau de la création de la vidéo. J'aime ça faire ça. J'aime ça, mais quand je m'installe, par exemple, pour Maracaibo, qui est un jeu qui est vraiment le fun, euh, j'ai en arrière de la tête, je joue au jeu, puis en même temps, il faut que je réfléchisse à l'angle de caméra. Je suis pas sûr que je trippe tant que ça, donc j'ai décidé que. Je vais, je vais probablement encore en faire là. Je ne dis pas que j'arrête totalement d'en faire, mais je, je vais revenir avec des caméras qui sont plus statiques comme je faisais avant. Euh, comme un petit peu Ant Lab Games utilise, sauf que je vais revenir avec mon système de deux caméras. Euh, donc je. Puis le pays, c'est que je faisais ça au début de la zone de jeu de société. Vous irez voir mes premières vidéos. Donc, c'est des jeux qui vont se faire en temps réel avec des coupures une fois de temps en temps. Puis, quand je voulais présenter, par exemple, j'ai fait ça avec Anachronie, parce qu'Anachronie, j'ai regardé la vidéo il n'y a pas tellement longtemps, ma vidéo que j'ai faite. Puis, le fait d'avoir deux caméras, ça me permettait donc de dire, je joue, puis si je veux aller présenter le plateau des joueurs, ben, j'ai déjà une caméra qui est focussée sur le plateau des joueurs, puis je pouvais, avec mon programme de montage, de passer d'une caméra à l'autre avec assez quand même beaucoup de facilité. Puis, euh, je pense que je vais, je vais réessayer ça. D'ailleurs, Coutelou d'être Médaille, c'est celui que je reviens avec cette, cette caméra un petit peu plus statique, euh, qui vous, je pense, qu'il permet de voir quand même le plateau comme il faut et qui va me permettre de faire des de faire des sessions plus souvent et de jouer plus rapidement. Parce que là, une partie comme par exemple de Maracaibo, euh, qui a duré deux heures, là, mon premier épisode, mais il me duré trois heures en tout. Monter et ça c'est juste la première partie parce qu'il me reste la deuxième partie à vous présenter parce que changer de caméra à chaque fois ça fait en sorte que c'est beaucoup plus long et oubliez pas que je veux faire la, la zone de société elle, elle existe pour que j'ai du plaisir donc je veux revenir avec des caméras un petit peu plus statiques et je pense que Stéphane va être content aussi de revenir avec des caméras statiques parce que Stéphane aussi j'ai demandé de faire ça et euh, je veux pas je veux pas nous brûler avec ça puis, euh, mais si, si, si dans les commentaires vous me dites non, non, Martin, garde ça, il euh, n'y a pas de problème. Mais je sais que j'avais déjà posé la question, puis il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient dit garde tant qu'on voit le jeu, il n'y a pas de problème Je veux juste dire que je risque de revenir avec des caméras un petit peu plus statiques. Aussi, gros changement qui va arriver en 2019, en 2019, en 2020, c'est que euh, je vais commencer à faire des épisodes zéro. Donc, et ça, ça vient avec Maracaibo. Euh, J'ai regardé aussi Anachronie. J'aime ça faire les mises en place, j'aime ça vous les présenter, j'aime ça vous les expliquer parce que je me rends compte que moi je regarde des fois des, des vidéos de jeux où les où les youtubeurs ne présentent pas la mise en place et je suis perdu. Des fois je suis perdu, je ne comprends pas, je sais pas c'est quoi les les jetons, je sais pas à quoi ils servent et ça me prend un certain temps avant de rentrer dans l'explication et dans la compréhension euh, donc du, euh, du, euh, du jeu en question. Euh, donc, c'est pour ça que moi, je veux faire les, je veux faire les mises en place. Je l'ai fait. Mais, je suis conscient que ça fait des vidéos très longues. Et puis, euh, je regardais Maracaibo. Je pense que ma mise en place a duré 35 minutes avant de finalement rentrer dans la partie. Puis, il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui veulent avoir le jeu, qui veulent voir le jeu en action. Il y a des gens qui veulent tout voir. Donc, à partir de Cthulhu Death May Die, qui est drôle parce que je pense que la mise en place, en place sera pas si longue que ça. Euh, mais je vais commencer à vous faire un, un épisode 0. Et l'épisode 0 sera uniquement la mise en place. Et ensuite, on va commencer avec l'épisode 1 avec le jeu. Et je vais encore, je vais, je vais présenter, je vais essayer là, mais présenter l'épisode 0 et l'épisode 1 en même temps. Donc, ils vont apparaître en même temps sur le site pour que vous puissiez regarder euh, les deux vidéos. Parce que ça me fait quand même deux vidéos, une vidéo de plus à générer. Donc c'est ça qui fait en sorte que ça risque, je sais pas si ça va être très avantageux pour moi, mais je pense que ça va être quelque chose qui va être plus agréable et plus intéressant pour vous. Euh, fait que voilà, fait que je voulais juste vous dire que les épisodes zéro vont bientôt arriver dans la zone. Euh, jeu de société. Puis, ben voilà, fait que là tout ce qui me reste à vous présenter, c'est ce qui s'en vient dans la zone. Alors, c'est ce qu'on voit à l'arrière. Donc, très rapidement, euh, je peux vous dire que la couronne d'Emara, ça va venir très bientôt. C'est euh, un de mes, euh, mes patrons euh, qui, euh, qui m'a demandé ça. En fait, c'est un patron. C'est... Euh, je pense que c'est qui donc? Ah, oh, je ne me souviens plus. C'est... C'est Jean-François Vachon. C'est ça, c'est Jean-François. Oui, c'est Jean-François Vachon qui avait comme euh, le droit, euh, parce qu'il il, il, m'a quand même aidé pendant très très longtemps et je lui ai donné le droit, donc, de choisir euh, un jeu. Et puis, euh, dans le jeu en tant que tel, il m'a demandé la, 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 couronne, la couronne des marats. Donc, euh, c'est ça que je vais faire très bientôt. Ibo, ma deuxième mon deuxième épisode s'en vient. Euh, très bientôt il est filmé là euh, j'ai même filmé mon, ma première impression fait que je vais faire ça dans les euh, dans la prochaine semaine probablement euh, Paladin of the West Kingdom j'ai fait le déballage avec un concours il va y avoir des concours aussi beaucoup cette année euh, je vous dirais que euh, je vais avoir Paladin of the West Kingdom je vais avoir Wingspan on va, avoir, on va faire aussi euh, le concours de, de Star Wars, donc les de Star Wars Destiny. Euh, probablement la semaine prochaine. Stéphane, il ne file pas cette semaine. Il, il, est, il est malade. Donc, on va, on va le faire la semaine prochaine. C'est lui qui s'occupait de ce concours-là. Euh, Domination Rallyman JT. Vont, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants, mais il va y avoir un concours également de ça. Donc, beaucoup de concours dans la zone. On va essayer. Euh, donc, de vous, euh, de vous gâter un tout petit peu. Alors, Domination ou Domination et euh, Rallyman. Non, l'autre côté, il faut que j'aille. Alors, Rallyman GT que vous voyez là. Euh, donc, euh, ce sont deux jeux euh, de Holy Gra Grail Games euh, qui sont des jeux que j'attends je, toujours sur Kickstarter. Alors, j'espère les recevoir. là Vous allez vous dire pourquoi je les ai. Parce ils sont disponibles chez mon commandista, le Valet de Cœur. Donc, ils sont arrivés en magasin avant même que les backers. Les, en leurs mains. Alors étant donné que j'avais ma du mois de janvier, euh, j'ai décidé de me les procurer, les deux, euh, parce que je me suis dit euh, c'est là que les, les backers vont leur recevoir entre les mains. Euh, donc, let's go. Euh, je vais faire des vidéos, je vais essayer de les faire le plus rapidement possible afin de vous montrer comment le jeu fonctionne. Domination m'intéresse énormément. C'est un jeu un petit peu abstrait, mais de... Euh, construction de civilisation euh, ça me semble très très cool j'ai fait le déballage le jeu il est magnifique il est beau euh, j'ai hâte moi d'avoir ma version Kickstarter mais j'ai fait un all in j'ai rarement fait des all ins dans ma vie dans des Kickstarter je sais même pas pourquoi j'ai fait pour domination mais je l'ai fait euh, et je vais avoir toutes les extensions en tout cas j'ai bien hâte de le recevoir euh, puis Rallyman GT j'aime beaucoup les jeux de course et ce jeu-là me semblait très intéressant euh, j'aime beaucoup, vous savez, j'aime beaucoup Flamme Rouge. Alors, il y a un vibe de Flamme Rouge, mais avec des dés cette fois-ci. Euh, donc, je vais vous présenter ça très bientôt. Kutulu Death euh, médaille, je vous présente ça également dans les prochaines semaines. Euh, il est d'ailleurs très prêt à être filmé. Coloma oh, beau petit jeu. Euh, petit jeu euro, un peu plus complexe, intéressant. Euh, J'ai fait le déballage. Je n'ai pas la version de luxe, malheureusement. J'ai la version euh, en magasin. Euh, je vais vous présenter ça aussi très très bientôt dans la zone. Puis, euh, ben voyez-vous, je me suis procuré... Blackout Hong Kong, pourquoi? Parce que... Je vais mettre mon, mon micro un petit peu plus proche. Alors, Blackout Hong Kong, parce que c'est Alexander Fester, puis euh, j'ai entendu JP en parler pendant le temps des fêtes sur sa chaîne, euh, puis j'ai beaucoup aimé Maracaibo. Il est un petit peu mitigé, Blackout Hong Kong, mais euh, c'est pas grave, je vais quand même euh, y jouer. Et Pax Pamir, deuxième édition. Je pense que c'est un jeu que personne ne connaît, en tout cas, si vous le connaissez, Parlez-moi dans ça dans la description, euh, pas dans la description, dans, dans les commentaires de la vidéo. Euh, c'est un jeu très cool, très intéressant, euh, qui est beau, en plus de ça, que le plateau, c'est un morceau de tissu. Euh, donc, je vais vous présenter le déballage très bientôt. Après ça, tous ces jeux, tous les jeux que vous voyez en arrière sont tous déballés, sauf Bla Blackout Hong Kong, que je n'ai pas déballé encore, euh, que je vais vous présenter très bientôt. Fait que. Voilà, puis je finis pour, sur les Kickstarter, donc euh, je suis supposé de recevoir euh, donc domination et rallyman GT très bientôt, et surtout euh, probablement au mois de mars, je vais recevoir euh, Trickshot, qui est un jeu de hockey. Je sais que je vous ai présenté un jeu de football cette semaine, puis c'est pas, je sais que le football n'est pas en Europe, mais j'ai tellement hâte de recevoir Trickshot, mesdames et messieurs. Fait que voilà, ben écoutez, euh, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous parler. Donc 52 minutes, c'est très très long, beaucoup trop long, mais euh, c'est quelque chose que moi j'avais besoin. Fait que merci beaucoup Ketchup Moutarde si vous êtes rendu jusqu'au bout de ma vidéo. Hein, en plus une vidéo où, où je présenterai pas beaucoup de visuels, c'est vraiment juste moi et la caméra et vous qui m'écoutez. Euh, j'espère que vous appréciez, j'espère que c'est le fun. Merci beaucoup tout le monde euh, d'être là, merci beaucoup de m'écouter. Euh, Merci beaucoup de m'écouter des fois puis de m'entendre dire que je vais faire moins de vidéos puis que finalement je vais en faire quand même autant. J'aime beaucoup la zone de, jeux de société. C'est un c'est un beau projet. C'est un de mes plus beaux projets. Euh, que j'ai fait dans ma vie, à part évidemment ma vie de famille et d'enfants, vous comprenez le principe, mais euh, c'est un beau projet, je suis toujours très fier. Je vais avoir un changement de logo, vous voyez que je porte fièrement le chandail du professeur Board En plus, c'est son ancien chandail que je porte toujours aussi fièrement. Euh, je veux faire un changement de logo, je veux, je veux me procurer des chandails, me faire faire plus de chandails si vous êtes intéressé à vous en procurer. Euh, fait voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup, je suis fatigué. Euh, je commence à travailler officiellement demain avec mes élèves. Il est 22h10 au moment où j'enregistre ceci, donc euh, je vais arrêter cela. Fait que je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Abonnez-vous à la chaîne, ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram. Allez faire un petit tour chez mon commentaire, le Valet de cœur que je remercie beaucoup au www.levalet.com. Vraiment, sans eux autres, euh, j'aurais pas tous ces jeux-là à vous présenter. Euh, ils sont magnifiques. Et je les remercie beaucoup pour leur grande générosité. Allez faire également un petit tour sur mon Patreon au www.patreon.com, dont je remercie euh, tous mes patrons du plus profond de mon cœur. Merci beaucoup euh, donc de me supporter et de m'aider euh, dans ce projet-là. Et d'ici la prochaine fois, mesdames et messieurs, bien amusez-vous avec vos jeux de société et nous, on va se revoir très bientôt.